Voilà, nous sommes toujours le 8 mai. La pluie a cessé, donc nous sommes dans la banlieue sud de Salt Lake City. Alors, ce sont 2-3 jours compliqués parce que, voilà, entre Ogden hier et Provo demain, ce sont à peu près 180 à 200 km en agglomération, en zone urbaine, comme vous voyez là. C'est assez compliqué parce que, comme vous voyez, donc ce sont des avenues à perte de vue qui font 20-30 km comme ça, comme vous voyez là. Et donc, ben voilà, c'est toujours un peu compliqué parce que tous les, ouais, à peu près tous les 400 mètres, vous avez un feu. Donc voilà, comme là à peu près. Donc il va falloir, il faut s'arrêter, attendre. Donc ah, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc les journées, bah voilà, elles font environ entre 30 et 50 minutes de plus que d'habitude, simplement par le fait, vous voyez, qu'il fallait bien sûr, et c'est normal, respecter les feux et attendre, appuyer sur le petit bouton, voilà, pour aviser, et puis attendre votre tour. Donc ça, c'est un peu compliqué. En plus, pour les gars là, pour Thomas et René, c'est difficile aussi de me ravitailler parce qu'ils peuvent pas. Voilà. Ils ne peuvent pas stationner n'importe où. Donc ouais, il y a 180 km à faire sur 2 jours et demi. Donc c'est pénible. En plus, le bruit. Et c'est vrai qu'on était bien, bien habitués à notre montagne, à notre campagne. Donc c'est toujours un peu difficile. J'avoue que je suis fatigué. Je suis un peu aussi de temps en temps déconcentré. La preuve hier, donc j'ai encore chuté hier. Fin d'étape, un manque de concentration sur le trottoir toujours. Voilà, panneau publicitaire, et puis j'ai pas vu le pied qui tenait ce panneau publicitaire. Voilà, c'est un peu la lassitude de la journée. Mais moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est vraiment le bruit. C'est sûr que c'est pas compliqué, c'est toujours tout droit, mais c'est le bruit. Voilà, mais bon, ouais, pas commencer à se plaindre au bout du 98e jour. Ouais, à peu près 98 ou 99, je sais pas. 99 peut-être. Donc voilà, on va pas se plaindre, hein. Il y a encore de la route, et heureusement. Mais j'espère que ce sera de la route un peu plus sympa. Voilà, allez, à bientôt. Un petit coup de route et puis après, je vous laisse. Allez, hop là. Ah, ça fait quand même une sacrée distance, hein. Et ça n'en finit pas de l'autre côté. Voilà, allez, ciao.